Dans l'actualité ce soir, le gouvernement du Burkina Faso aux côtés de la RTB de Haut-Bassin, six jours après les inondations des locaux, une délégation gouvernementale est présente pour faire le constat de la situation. Une occasion également pour elle de féliciter et encourager le personnel pour son engagement à faire face à la situation. Au sortir de la visite, la délégation dit faire le point à qui de droit et promet des actions concrètes les jours à venir. Ismaël Saturné Paré. Suite à l'inondation des locaux de la RTB au bassin les 25 et 29 juin dernier, une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale est présente. Une présence pour constater de visu les dégâts causés par l'eau, aussi bien sur le matériel de travail que sur les infrastructures. Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ont estimé la hauteur de l'eau à 1,10 m. Mais quand vous voyez des Burkinabés qui, malgré ce danger, ne sachant pas d'où vient cette eau, quelle est sa composition, quels sont les dangers que ça peut courir, et malgré tout, on fonce pour pouvoir sauver ce qui constitue la mémoire, l'histoire d'un peuple. Je pense que les représentants de l'État, il faut les féliciter. Il convient également de saluer la rapidité avec laquelle, au niveau de la RTB2 ici, vous avez pu reprendre les activités, quand bien même elles sont à minima, mais on voit que les offres de programme ont repris au niveau de la télé, au niveau de la radio également. D'une salle à une autre, les visiteurs du jour font le tour pour s'enquérir de la situation. Et au regard du constat, ils promettent des actions les jours à venir. Les autres années, il y a eu des pluies plus importantes que cela, mais ici, la RTB2 n'a pas connu pareille catastrophe, si bien qu'il convient de tirer les enseignements, de situer les causes pour pouvoir donc apporter des solutions durables. Il y a également du matériel qui est hors d'usage aujourd'hui. Tout cela est en cours d'évaluation afin qu'on puisse voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter afin que le minimum puisse être réuni pour que la RTB2 au bassin puisse reprendre donc correctement ses activités. La délégation gouvernementale fera le point à qui de droit et pour que des mesures idoines et rapides soient prises et pour remettre la télévision et la radio à niveau et permettre à l'ensemble des populations de synchroniser encore avec l'organe qui leur permettait de vivre au quotidien ce qui se passe sur l'ensemble du territoire de notre pays. Après la RTB au bassin, la délégation met le cap sur le camp Wenzin-Koulibaly où la commune de Bobo-Dioulasso a lancé une opération de curage d'un bassin qui sert de déversoir d'eau. Cela afin de prévenir d'éventuelles inondations.